Alors, Sbi, ça tombait bien, après l'anus de Baby, tu voulais nous faire tester un jeu et je crois que là, c'est ta légende. C'est ce qui fait que le Sbi est Sbi, c'est-à-dire que le Z est un Z et le A est un A. Sbi, pourquoi tu es fan de catch? On ne comprend pas. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, non, effectivement, là, on va essayer la légende. Hein, le jeu dont je vous ai parlé au tout début, donc on peut balancer la zip, enregistrer, mais c'est parti là, c'est parti, mais quand je vois ce qui se passe à l'écran, c'est... Alors, putain, le mec avec les cheveux blancs, c'est Highlander. Enfin, c'est Ric Flair, alors, mais les mecs... Et Ric Flair Ric Flair. D'accord, bon allez, Flair, alors, explique-nous, pas nous, le tableau de ce jeu, W, vous avez la musique, c'est F, normal, Royal Rumble. Non, on va la mettre la musique, mais on attend que tu parles. Un petit peu... Alors, c'est WWF. On dirait Edouard Baird, le mec. Chut, oh, cookie. Alors, c'est la World Wrestling Federation, pour ceux qui ne savent pas. Ah, bah non, c'est pas. C'est l'ancêtre et... de... La WWE. La WCW. Enfin, il y a eu plein de fédérations par la suite. C'est le truc avec un panda, non? Ça, c'est vraiment l'époque, la première vraie époque du catch américain connu. Donc, avec... C'est juste après Hulk Hogan, parce qu'il n'y est pas dans ce jeu-là. Mais il y a Bret Hart, il y a toutes ces stars-là. Donc on les voit à l'écran, c'est triste, mais enfin c'est pas triste, non, parce qu'à l'époque on est en 1993, hein, les amis, donc il faut que venait de sortir. Voilà, on est en 93. Donc une année avant la Coupe du Monde 94 qui se passait aux États-Unis d'ailleurs. Waouh. Et c'est la grande époque du catch. Le soccer. C'est la première grande époque du catch américain où on avait la possibilité de regarder. Ça c'est la musique d'Undertaker d'ailleurs. Parce qu'il a fait des CD, ce mec. Non mais c'est parce que dans le jeu toutes les stars du catch, quand ils entraient dans le ring, ils avaient une musique. Leur hymne. Oh voilà. C'est énorme. Moi je mettrais la lambada. Oui, c'est une espèce de show. Du catch. Voilà. Les showmen. Et c'était vraiment le show à l'américaine. Et pour pouvoir voir du catch, il fallait se lever le samedi matin sur Canal Plus à 6h. C'est vrai. Je me rappelle avec un mec qui parlait franglais. C'est ça. Ouais. C'était un Canadien. C'est quoi son nom? Un Canadien. Au début il y avait un peu Georges Eddy, mais après il est parti au basket et après je sais plus. Oui, je me rappelle de son nom aussi, c'était Jean-Claude Dérable et... Voilà, et Denis Tabernacle. Qu'est-ce qui s'est sucré pendant ce temps-là? Voilà. Denis Wapiti. Voilà, Denis Wapiti. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors juste une question, mais comment ça se fait, alors que l'époque Super NES, à cette époque-là, il y avait des bombes, comment ça se fait que tes parents ou toi, tu t'es dit je vais acheter le jeu de catch? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? En fait, on t'a fini avec quoi? D'où vient le trauma? Non, mais c'est plus complexe que ça. Ah bon, merde. En fait, si vous voulez, au départ, je me suis fait violer par un Américain qui avait un fuseau rose. Voilà, qui avait un fuseau rose. Et quand c'est arrivé, t'étais au Sofitel ou pas? Voilà, au Sofitel. Après tout, le FBI il peut plus venir chez nous, il est occupé avec Sony en ce moment. Alors non, mais pour être clair, tout le monde le sait qu'au début des années 90, la mode était aux États-Unis. Enfin, c'est vrai. Tout le monde sait ça, comme aux Amériques. Et moi j'étais assez passionné et j'aimais bien le catch. Toujours. Et un ami de mon frère, nous avait prêté ce jeu-là et moi je sais pas pourquoi, adoré. Alors que finalement le gameplay est très moyen, scénaristiquement bon, c'est juste un jeu de catch. Oui. Et le jeu s'appelle Royal Rumble parce qu'un Royal Rumble c'est quoi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir posé la question. C'est quoi un Royal Rumble? Si vous réussirez, je vous ferai mes plans. C'est un plan à 4. C'est une vanne de Coluche, c'est honteux de sortir ça encore. Mais c'est les années 80. Bref. Alors un Royal Rumble, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les catcheurs viennent sur le ring. Voilà, donc c'est-à-dire qu'au début, ils commencent à deux. C'est le bordel, en fait. Voilà, et au début, ils commencent à deux, ils se foutent un peu sur la gueule, et après, un par un, tous les catcheurs de la World Wrestling Federation viennent sur le ring, et celui qui est projeté hors du ring est éliminé. D'accord. Donc c'était le combat ultime, celui qui gagnait un Royal Rumble, il le gagnait toute sa vie, il le portait, quoi. Tu vois, d'accord. C'est une question très sérieuse. Je savais pas. Avant, il semblait pas que dans les trucs de catch, ils balançaient des chaises, genre de trucs, parce que maintenant, quand tu regardes le truc de catch, ils prennent des chaises, Tu sais que c'est toujours du chiqué. Non, c'est du chiqué. J'adore ce mot chiqué. Ils sont toujours cogner des chaises sur la gueule, taper avec la cloche de l'arbitre. Il semblait qu'avant ça restait très soft. Non, c'était plus soft que maintenant. C'est pour ça que Hulk Hogan a fait une parenthèse dans sa carrière. Il s'est pris une chaise dans le dos. Non, c'est pas vrai, mais c'était des fausses chaises achetées à Ikea, montable en 2 minutes. C'était un foie et maladie. Hulk Hogan, en fait, ils appelaient Jean-Claude Dubois. En fait, ils font tout en faux, les catcheurs. Tu vois, ils font des prises en faux, des coups en faux, des chaises en faux, tout est faux.
Moi je dis leur jeu est faux. Il y a même des micros sous la table, je veux dire. Oui, c'est vrai, sous la scène, ils mettent des micros. Ouais, mais alors c'est bon, alors moi j'étais très fan et ça c'est le jeu qui a fait ma culture du catch. Alors il faut juste rappeler que tu nous as reparlé de cette Madeleine de Proust dans un des tout premiers podcasts de Gamer. C'est dans le premier podcast. C'est le premier, ouais, ouais, c'est dans le tout premier que j'en ai parlé. Ah, putain, je suis pas pressé de le réécouter celui-là. Ne l'écoutez pas non plus si vous. Je propose qu'on fasse une petite partie peut-être. Enfin, ouais. Je vais pas jouer parce qu'évidemment je connais tous les coups. Donc, qui veut la manette? Moi, je veux bien tester. On va avoir un versus. Tu veux pas jouer contre l'ordinateur? Ah, ça peut le faire, ouais. Peut-être que l'ordinateur serait plus intelligent que Quiche. Bah... Attention. Non, mais joue à deux. Enfin, je sais pas, non. Ah, moi, je veux bien jouer. Hein. Allez, contre Quiche, j'ai une revanche à Street Fighter à venger. Ah, bah voilà. Sur le jeu de 4, je vais dire, là, la valeur. Attention. Pendant que vous calez, j'ai envie de vous dire. Le jeu développé. Si je peux me permettre, je vais m'indiquer les boutons. J'aimerais qu'on commence dès le début, qu'on prenne le silence, d'écouter le jingle de LGN, qui est quand même un éditeur qui a fait que ce jeu-là. Tu vas resetter la console ? Voilà, salaud. Le fou, il est malade. Mais t'es un malade. Attention. C'est beau. 1980. Oh. Et en plus, c'est très mignon, c'est un peu game. C'est pas eux qui avaient fait. C'est ça qui est très drôle. C'est Bernard Minet. C'est un gros jeu de catch. Ça annonce les couleurs par jeu. Ils avaient pas travaillé sur les trônes. Ils se mettent de l'huile, tout ça, je crois. Alors, c'est une intro très typique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de stade de catch vu au loin avec les photos des catcheurs qui arrivent devant. C'est très beau. Ça fait très NBA Jam. Est-ce qu'on voit les mains géantes? Tu sais, les doigts géants. Là, derrière, oui. Alors, explique-nous, qu'est-ce qu'on prend? Alors là, vous prenez vous faites un one by one, je vous propose. Two players, évidemment. Ouais, one fall, ça suffira. C'est quoi, brawl? Je comprends rien. Celui qui parle pas anglais, en fait, est Antio. Oui, c'est pas traduit. Pardon, malheureusement, alors, player one, c'est. C'est It's Me. Alors, Bret Hart, non, je vous propose, excusez-moi, c'est tous les grandes stars de l'époque. Si vous arrêtez une seconde sur la photo, il y a sa musique qui se met en route. Voilà. Ah putain! Ça, c'est l'Indien, t'as c'est quand même pas mal. Superbe. Mais Crash, mais la musique de Crash. Il a l'air méchant, lui. Attends, c'est du rock. Et le mec, il pèse 315 lbs. Chut. C'est quand même lourd. Ça pèse 150 kilos. Hein. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit quand même d'où il vient. Ah, il y a sa musique, lui, ça va faire Under Pressure. On voit d'où il vient, on voit la taille, on voit le poids. Et on voit les mouvements spéciaux. Et on voit leurs mouvements spéciaux parce que quand l'adversaire est suffisamment épuisé, vous pouvez faire votre coup spécial. Pardon. Alors Shawn Michaels qui combattait encore il y a peu. Hein. Ah oui, c'est celui qui a baisé avec. Avec Gretar, c'est la mieux, je pense. Lui, sur la puissance. C'est la préférée. Alors lui, c'est le personnage le plus connu, Razor Ramon. Évidemment, tout le monde connaît ce monsieur. Eh Ramon, absolument pas. J'ai jamais absolument pas. Écoute, pour la moi, vieille c'est... musique des années 80, début des années 90. Un petit j'aime bien peu ses colliers. Hein. Ça doit pas être lourd, tiens. Écoute. C'est Booba qui a piqué son style. Après. C'est la musique de Blanca dans Street Fighter 2, mais au ralenti. Est-ce que This is la peste qui s'est inspiré. Si tu peux continuer, voilà. Yokozuna, vous souvenez le oui, Yokozuna. Mais carrément, c'est le nom du central nucléaire, non, c'est pas ça. Non, mais non. Enfin. Ça fait délirer. Ils le font passer pour un sumo alors qu'il vient de Polynésie. Les Américains, ils s'en foutent des dessins, fait de la guitare, mais bon, c'est pas grave. Attends, continue parce que je voudrais qu'on voit tous les personnages. Quand même. Alors The Narcissist. Ah, mais lui, c'est un acteur porno en fait. C'est clair. Il avait changé de nom. Après, je ne sais plus son nom, merde. The Narcissost. The Big Dick. J'ai refait une carrière. The Narcidic. Vas-y, continue. Il avait une bête de cheveux quand même. Vous avez Ted DiBiase. Oh putain, le directeur du casino. C'est Ted Enroy. C'est lui qui dirige le groupe Partouche. C'est non. Le millionnaire. Le millionnaire. Il fait disparaître des tigres blancs. C'est mort. Randy Savage. Évidemment, Macho Man Randy Savage, qui déjà à l'époque était vieux, il faisait beaucoup de peine à voir. Oui, il mangeait des crocodiles. Et tu sais, quand il se déplaçait dans le. Oh là là, monsieur parfait. Quand il se déplaçait dans les combats, il était déjà abîmé, boité à moitié. Mister Perfect, écoutez-moi 70% ça. La musique de Mister Perfect, écoutez. Avec une tête 70% cotorep, on dirait Sinoc. Alors sa coiffure, c'est ce qu'on appelle une mulette. La coupe catcher. Mais en plus, c'est une mulette bouclée. Non, mais il y avait le botox à l'époque, là. T'as vu sa tronche. Oh là. Et bien sûr, Undertaker qui combat toujours. C'est les stéroïdes. C'est vrai, il est encore là. Ouais, je pense c'est les coups dans la gueule. J'ai une question, les amis. Pourquoi il n'y a pas Hulk Hogan dans ce jeu? Ouais. Alors, parce que c'est la période où vous venez d'arrêter. C'est une honte. Pourquoi il n'y a pas André le Géant? Je vais prendre Razor Ramon. André le Géant a combattu pendant les années 80. Pourquoi il n'y a pas Nicolas Sarkozy? Franchement, le match de ce soir, c'est un match au sommet. Alors, Sean contre Raymond. Sbire, on lance le match. Les boutons. Avec B, alors tout est une histoire de chop. Hein, le catch, c'est simple. Mettez des coups de poing et des coups de pied. Ça sert à rien par les chops. Hein. Avec B et Y, vous mettez des coups de poing et des coups de pied.
Avec Y, vous courez. Avec B, vous mettez des coups de poing. Avec Y, des coups de pied. Avec X, vous faites une chope. Et une fois que vous avez chopé, il faut appuyer. Il faut. Ah, vous êtes. Avez... l'arbitre. Vous l'arbitre. Ouais. On saccage l'arbitre, c'est mieux. Une fois que vous êtes chopé avec X, vous devez appuyer sur les boutons de manière rapide et frénétique pour faire une projection. D'accord. Une projection. Mais il a pantalon avec des. Alors. Qui est le blond? Je vais essayer de commenter. Le blond, c'est Gouki. D'accord, Gouki. Alors l'appuyer le plus vite possible sur un des boutons. Utilisez LOR. LOR. LOR ou Les deux. Alors là, on a les deux joueurs. Les deux joueurs qui ont effectué une chope, ils viennent de se séparer. Gouki est toujours debout et il lui met des coups dès qu'il se relève. C'est infernal, mais il vient de retomber sur le dos. Il vient de se prendre trois manchettes et un coup de cul. Il était tombé par terre. Gouki a fait une prise. Il s'est jeté dessus à 90 mètres. Tous les boutons. L'autre bouge des jambes comme s'il avait envie de pisser. Il s'est dégagé. C'est reparti. Attention, il est sorti du ring. Kish est parti faire un tour de toilette. Et là, Kish part de l'autre côté du ring, il s'est projeté contre la corde pour donner un coup de pied dans le vide. De coups de c'est infernal, dans le c'est voilà, infernal. Il ressort du ring. Sort du ring en appuyant sur Y. Vas-y, ça va être drôle. Va essayer de choper Adrienne là-bas. Allez là-bas, il y a un train. Ok. Prends voilà. une chaise, une barrière, vos bons là. Les couteaux. C'est ridicule. Alors les deux, ils se sont mis à courir et ils se sont plantés contre le mur. Mais n'importe quoi, il y a une chope avec une sorte de balance. Remontez sur le ring, dans 10 secondes vous êtes éliminé. Ah, vite, monte. Vas-y, monte. Il y a Kish qui n'arrive pas à remonter, il s'est pris le mur. Juste. Et revoilà sur le ring, il s'est pris un double coup de pied latéral, 90 degrés, 180 par rapport au sol infernal. Il ressort du ring, mais par contre, t'as un caleçon avec des cœurs rouges, hein. C'est quand même très ridicule, Gouki. Et Kish qui a tenté un truc extraordinaire, mais dans le vide, c'est pas possible. Il a tenté un lancer de coccyx. Ah, c'est clair, ils sont remontés sur le ring. Attention, il a pris de la hauteur en montant sur le cordage au coin. Une nouvelle prise. Et comment ils s'en sortent là, Il faut appuyer très fort sur le bouton. Très fort ou très vite? Très vite, très fort. Alors, d'accord, là ça tatane alors, quand même. Hein. Juste d'extérieur, ça a l'air d'être très très bien. Oh putain! Oh là 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 là! Quelle projection! Oh, du ring Kish, là il n'y ramène pas. Ouais, bravo Gouki. Attention, Kish prend de la hauteur, il essaie de sauter. C'est le cas du Kish. Allez, chop de Gouki. C'est infernal. Projection dans les cordes pour Kish. Il donne des coups de pied tous les deux. C'est une sorte de synchronisation aquatique. N'oubliez pas que vous pouvez frapper au sol. Hein. Ah, attention. Comme ça, les coups de pied. Alors, le public est bien fait, je trouve, pour l'époque. C'est super pixelisé, mais ils bougent tous. C'est quand même pas mal. Et normalement, il y avait les doigts. Et t'as les commentateurs derrière qui s'excitent. Ah oui, c'est vrai, ils bougent. Ils sont il y en a qui ressemblent à Bill Clinton. Mais ils ont pas de télé devant eux, ils ont des Amstrad. Alors les mecs, là, vous êtes mauvais hein, sur le bouton. Ça a l'air dur à jouer quand même. Hein. Putain, c'est pour que c'est dur. Attention, c'est dur Kish l'attend. Voilà, je te tends un piège. Hop, et casse-cul tout seul. Attention, et hop. Voilà, bien joué. Gouki lui refait une prise dans le cordage. Il s'est pris un double coup de pied de la part de Kish. Kish qui a mis un coup de cul, deux coups de cul. Le deuxième est loupé. Nouvelle prise de Gouki. Gouki une deuxième fois. On dirait une pénétration juvénile. C'est un peu bizarre. Juvénile. Double chop au niveau des épaules du genre Kestarfé, Arma Meuf. Attention, nouvelle chop. Il lance Kish dans le cordage. Le coup de pied. C'est assez destructeur quand même. Attendez, le coup de pied, il a perdu pas mal d'énergie. L'arbitre est en train de compter. 3 relevés, c'est alors, reparti. Il y a une barre Kish d'énergie remonte. J'ai capté un petit peu. Il y a une barre d'énergie en plus. Je sais. Si tu fonces dans lui, il tombe. Tu sais, avec le en courant, quand il est en haut sur la troisième corde. Il y a une barre d'énergie. Une fois qu'elle est à 0, là seulement, tu peux faire le comptage et tu gagnes. Oh, 0, vas-y, va le plaquer au sol et c'est bon. Non, tu pourras pas quand c'est. Donc là, il y a Gouki qui l'a sorti du ring. Si vous sortez par le bas, il y a une chaise que vous pouvez prendre avec X et vous claquez la chaise sur la gueule. T'as dit ça à Kish, il est parti direct. Remarque que Ramon, il n'a pas pris la chaise. Il s'est roulé sur le tapis. Et des nouvelles chopes, épaule contre épaule, main contre main. Attention, ils se disent oui, non. Ils appuient vite, tel un décathlète. Attention, allez les gars, il y a Kish qui est en train de prendre de l'avance. C'est ridicule. On sent le vieux garçon là qui s'est masturbé pendant très longtemps. Non, t'as perdu. Allez, sortez avec Y, quelqu'un peut se plaquer la fin. Chaise sur la gueule. Et Ramon n'a plus d'énergie. Il vient de faire une roulade. Prends la chaise, Ramon. Allez, descend. Ramon, prends la chaise. Il a pris la chaise. Il a l'air menaçant. Il a la chaise. On a pris descend. Allez, viens. On dirait qu'il souffle le barbecue. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, viens. Allez, Gouki. Attention, elle va se plier. Vous allez voir, c'est assez magnifique. Fais-le du vent. Fais-le du vent. Spéciaux. Oui, fais-le du vent. Oh, coup de chaise. J'ai perdu comme lui. Avec mon la chaise. Bien mangé. Remonte, Kish. Tu vas perdre. Attention, ils sont de nouveau sur le ring. À mon avis, c'est la phase finale. Double coup de pied. Et là, il peut l'assommer. Mais non, mais c'est incroyable. Mais c'est super intense au final. Avec, je savais pas ça. Une fois chopé, tu devais te battre à toute vitesse. On est en train d'appuyer très fort sur le bouton. Tu vas ressortir avec des cloques. J'ai mal.
Il va sortir avec des claques aux mains. Ah là là, c'est interminable, ils sont à égalité. La barre ne part pas à gauche ni à droite. J'adore, ils appuient très très vite chacun sur leur bouton. J'ai vu Kish qui s'est laissé faire. Gouki a gagné, coup de pied. Allez Gouki, tu le mets par terre, c'est bon, il a plus de vie. Il a plus de vie, immobilisation. Ridiculez-le, attention, attention, 50-50, ils appuient à la même vitesse, mais ils sont à fond, les mecs, je vous jure. Vous, cher auditeur, si vous pouvez voir à quelle vitesse ils appuient dessus, c'est juste des experts. Attention, double coup de pied, mais il ne l'a pas immobilisé, c'est bientôt la fin. Trois choumettes dans la gueule, hein. Là, il a cassé la dent de sagesse en bas à droite. Zbig, comment on fait pour plaquer là? Mais c'est... Tu lui mets un coup de poing, coup de pied, comme il n'a plus rien de vie, il tombe tout de suite. Comment ça s'appelle ce coup qu'ils mettent au niveau du menton? C'est la technique. Coup de la corde à linge. C'est ça? Mais oui, c'est coup de la corde à linge. Non, c'est quand tu cours. Panda, c'est toi qui l'as inventé avec le jeu de pommes. Tu t'en rappelles plus? Ah putain, bah non. Coup de la corde à linge en lançant votre adversaire en faisant X. Tu as fait quoi, Baptiste? X. Oh. C'est laborieux, les amis. C'est vraiment un duel de sourds là. Mais purée, mais je te jure, c'est. Mais là, j'en ai plus comme Y, les mecs. Allez, appuie, appuie, Gouki, c'est mon champion. Vas-y, poulain, vas-y, trouve l'énergie Benko que tu as en toi. Vas-y, Gouki, Capix se réveille. Vas-y, Gouki. Eh, les copains, vous cassez pas mes manettes. C'est pas. Allez, Gouki, mets-le à terre et puis. Qui se décide de fuir? Allez, pleutre. Salut, pleutre. 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 Attention, coup de cul, toujours dans le vide. Ça marche pas, immobilisation, c'est parti. Là, ça y est, il est au sol. L'arbitre compte. Et c'est gagné pour Gouki. Oh, quelle victoire. Bien joué. Attention, bravo, bravo. C'était rude. Ah, vous avez vu, il y a... C'est le médecin urgentiste. Il y a Gérard Jugnot qui est monté sur le stade. La petite musique de victoire. C'est écrit, on propose de rematcher. C'était une bonne expérience. Hein. Alors c'est super épique quand même. C'était la première, je pense la dernière. Et les gars, je vous assure que j'ai joué à quelques jeux de catch, mais j'avais totalement oublié. Et ça me surprend, le fait de choper, de devoir appuyer comme un malade. Les phases de jeu, au final, en gameplay, je comprends que ça puisse plaire. Non, mais maintenant, il faut être clair. Tout ce qui s'est fait ensuite, bon, je vais pas détériorer, mais après tous les jeux, tous les 3D, la N64, tout ça, c'était très moyen. Tout était raté. Les personnages sont toujours très statiques. Alors c'est toujours un sport, à mon avis, qui est très difficile à convertir aux jeux vidéo. Et en tout cas, là, ça permettait d'être assez simple et réaliste sans être trop non plus. Non, et puis bon, il faut dire. Tout à l'heure, on s'est un peu moqué parce qu'on a fait des tests avant. Puis c'est vrai que niveau graphisme, maintenant, par rapport à maintenant, c'est on s'est moqué pendant 38 podcasts. Ouais, ouais. Mais il faut avouer que là, en termes d'animation, même en termes de taille des sprites, c'était quand même ultra raisonnable pour l'époque. Ouais. Mais le jeu a 18 ans. Hein. Le jeu a 18 ans. Il est majeur. On peut dire aussi quoi. Il est majeur. J'avoue que j'ai joué énormément de jeux de catch, mais ce que je trouve flagrant dans tous ces jeux, c'est que ça a souvent l'air d'être très rigide. Alors que quand les vrais matchs de catch, c'est plutôt. Oui, ils sont très souples. Très souples, ouais, voilà. Donc c'est ça, je trouve qu'il me plaît. Par contre, je regardais vite fait, c'est que c'est visiblement pas le seul jeu de catch qu'il y a eu sur Super Nintendo. Ah bah non. Il y en a une chier des jeux qui n'ont jamais joué. Je me souviens d'avoir joué à plusieurs. Le jeu en Europe, hein, correct. Enfin, il y en avait eu sur Saturn, après c'était honteux. Il y en a eu beaucoup sur Super Famicom, des. Sur Famicom, j'aurais pu dire le nom, hein, mais c'était des jeux de catch, mais avec des catcheurs japonais. Ouais. Yokozuna, tu vois. Il y avait Pro Wall String qui était vachement bien sur NES. C'est ça. Pro Wrestling. Oui, Pro Wall String. Il y avait Bam Bam Bigelow dedans. Wrestling. Oh, que de souvenirs. Ouais, Bam Bigelow. Tu faisais des flammes. Tu faisais des flammes. C'est un versus de Pierre-Paul Jacques, en fait. Bon, d'accord, merci Bobby. Enfin, Bobby. Zbi pour ce jeu. Il fallait que tu fasses ta revanche auprès de nous et que tu justifies ta passion. Tu nous avais quand même dit que quand tu l'avais racheté dans cette espèce de magasin d'occasion. Ah oui, ça a été un traumatisme chez moi. Parce que t'as voulu y rejouer, tu l'as plutôt mal vécu finalement. C'était un bon jeu. Raconte-nous. Non, mais c'était même le racheter 10 ans plus tard, ça n'a même pas été un supplice parce que je le connaissais tellement par cœur que j'ai pas été déçu. Je savais exactement ce que j'allumais, quoi. Par contre, c'est vrai que je l'ai expliqué dans le podcast numéro 1. Je suis allé acheter ce jeu-là, genre en 2003, dans un magasin de jeux vidéo d'occasion. Je rentre, il y avait trop de monde dans le magasin avec des belles nénettes au comptoir. Et c'était la Fnac. Moi, je vois toujours des boutonneux qui font. Je sais pas. Ce jour-là, il y a peut-être les filles de ces, tu sais, les jeux de guitare là, Guitar Hero. Les filles de Guitar Hero qui étaient là, je sais plus, mais bref, j'ai dû demander au mec de se déplacer dans la vitrine pour me donner Royal Rumble, qui était le jeu le moins cher de la vitrine. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il a pas eu? Et à mon avis, le mec qui l'avait vendu récemment là, c'était vraiment qu'il était en galère, quoi, sur Google. C'était le jeu, il était vendu avec un paquet de chips scotché dessus. Voilà, il avait un rendez-vous avec la meuf. Il l'avait trouvé dans la rue. L'ensemble, le truc, 1€ avec un paquet de Vico. Tu dis combien vous reprenez Royal Rumble? Le mec il te regarde, il dit quoi? Tu vois, je veux dire, le temps qu'il trouve le truc, la cotation sur internet, enfin c'est mort, hein, tu vois, c'est pas possible. J'avais dû l'acheter trop. Erreur 404.